Shalom, shalom, que Dieu bénisse. Nous sommes aujourd'hui jeudi 27 septembre 2018, depuis la ville d'Amiens, une ville que j'apprécie très bien. Et on se repose très bien ici par la grâce de Dieu. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, ça m'a permis de me reposer. Il faut dire, je suis en fin de séjour, je suis en fin de séjour. Je salue ceux qui sont en train de maintenant me prendre en ligne, commencer déjà à partager la vidéo parce qu'elle est importante. Nous allons, n'est-ce pas, revenir sur le témoignage de Jean-Louis. Et nous allons profiter de cette vidéo, saluer Robert et Anna, épouse, et toute cette famille, voilà, qui m'ont bien reçu à Amiens. Je suis bien reposé à Amiens. Franchement, des hommes au grand cœur. Elle a préparé, mais j'attendais le tikliti, mais ça va venir. C'est la sauce. Chaque région a sa manière de préparer. Mais une bonne sauce, hein? Une bonne sauce comme ma femme. J'ai dit shalom à maman Bessoura et ma femme, que j'aime bien. Amen. Et qui m'apporte assez de tonus, qui m'aide à avancer dans la vie. Amen. Dans la vie, il faut rencontrer des gens pour te faire avancer. Pas les gens pour te faire pleurer. Amen. Il y a des femmes, quand tu rencontres, elles te font avancer. Il y a des personnes, quand tu rencontres, tu pleures seulement. Et c'est dangereux. Voilà, donc, voici le témoignage de Jean-Louis. Voici un blanc. Les gens, ils pensent que c'est une question de prophète Crasso. C'est une question de... non, c'est une question des Africains. Le prophète Crasso, les Africains. Voici un blanc, n'est-ce pas, qui me rencontre par le biais d'une de mes filles spirituelles. Et Dieu, n'est-ce pas, va opérer un grand miracle dans sa vie. Il y a maintenant 2 semaines, hein. Il y a maintenant 2 semaines de cela. Dieu va opérer un grand miracle dans sa vie. Un monsieur qui était sous la dépression, qui a vécu toute sa vie, n'est-ce pas, dans une misère et tout ça. Voilà. Il va rencontrer le serviteur de Dieu que je suis par la grâce de Dieu. Et Dieu va opérer un grand miracle dans sa vie. Et tout va changer. Amen. Voilà, tout va changer dans sa vie. Et Dieu va ramener encore... l'envie de vivre, l'espoir de vivre. Et je crois qu'il me disait que c'est maintenant que je vais vivre, j'ai envie de vivre. Et ça, gloire à Dieu pour ça. Je laisse le temps. En 2 minutes, nous rendre un puissant témoignage. C'est vrai que depuis que je suis ici, on en parle. Il allait même rendre le témoignage à l'église. Je suis venu voir dans son quotidien. Voilà. Ouais. Pour valider un peu le témoignage, pour voir effectivement le témoignage. Quelqu'un qui vivait sur médicaments, maintenant qui dormait tout le temps, maintenant ça va. Passait tout son temps de dormir. Ouais. Maintenant ça va. Et un homme très sympa aussi. Ouais. Un monsieur comme ça que le diable voulait détruire, il est très sympa, très serviable. Ouais, Jean-Louis, franchement, il faut être à sa compagnie pour voir qu'il est bien gentil. Voilà. Et nous l'attendons à Divo. Amen. Un bon plat de tikliti. Ça va beaucoup l'aider. Je lui ai dit, s'il mange le tikliti, ce blanc-là, s'il mange le tikliti, je lui disais, tu aimes quelle sauce? Il dit, la sauce cacahuète. Ah, il dit, c'est la chute. Il voit ça, cacahuète. Oui. C'est la chute. Il dit, c'est la meilleure sauce qu'il aime bien chez les Africains. Mais c'est pas aussi mal, hein. Ouais, c'est pas aussi mal parce que nous aimons cette sauce. Tu peux nous rendre ton témoignage rapidement? Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré déjà. Aujourd'hui, je suis beaucoup mieux, je suis mieux dans ma tête, je suis très bien et je me sens bien, j'arrive à avancer dans la vie. Avant, je n'avançais pas, je faisais un pas en avant, je faisais 2 pas en arrière. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Comme l'aiguillé. J'ai envie de vivre aujourd'hui. Un pas devant, un pas derrière. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie d'avancer et puis de profiter de la vie. Parce qu'avant, je ne profitais de rien du tout, je dormais tout le temps. Et voilà quoi, et j'étais vraiment pas bien du tout. Et là, aujourd'hui, voilà, grâce à Robert et à Anne-Marie, et voilà quoi. Et aujourd'hui, je suis très bien. Et j'arrive à avancer, à faire plein de choses qu'avant je ne faisais pas. Et je remercie le professeur Crasso, le prophète Crasso, de m'avoir délivré. Et puis de m'avoir apporté cette joie aujourd'hui de pouvoir avancer dans la vie. Amen. Tu ne vivais pas, c'est ça? Non. C'est ça? C'était difficile pour toi? Oui. Tu vivais caché? Caché, oui, j'étais toujours
Ben, je dormais pratiquement pas. Assez, je dormais du soir. Des fois, Anne, c'est déjà arrivé une ou deux fois, elle est venue. À 11 h, je me levais seulement, quoi. Et voilà, quoi. Et ben, je commençais à boire mon café. Ah, il est énervé, il était très énervé. Et il tremblait tout le temps, on savait. Viens, 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 Anna, viens. Voilà, voici Anna. Je vais aussi rendre le témoignage de Anna. Nous sommes sur une chaîne de télé qu'on appelle la chaîne, voilà, des mystères. Voici Anna. Voilà. Voilà Anne-Marie, celle qui, n'est-ce pas, a permis que Robert fasse la connaissance du prophète. Quand tu rencontrais Robert, il est dans quel état? Jean-Louis. Oui, autant pour moi, Jean-Louis. Quand j'ai rencontré Jean-Louis, c'était une personne qui était déjà très nerveuse, il était Pour toujours la dépression. tendu sur la dépression, il déprimait énormément et il dormait jusqu'à midi. Et avant de dormir, il fallait qu'il prenne des cachets. Sans cachet, c'était vraiment Les impossible pour lui, médicaments. des Parce qu'il y a médicaments. des gens qui sont de l'autre côté des divots, cachés, ils vont penser qu'ils se Oui, font le tapon sur les trucs. oui. Il fallait qu'il prenne des médicaments pour dormir. Sans médicaments, il ne pouvait pas dormir. Donc, vraiment, par la grâce de Dieu qui nous a envoyé Papa Carasso, et une fois nous sommes allés à l'église, et le dimanche, Papa a prié pour lui. Il a bu de l'huile aussi. Et depuis qu'il a bu l'huile, nous sommes revenus à la maison. Il a dormi ce jour-là jusqu'à 6 heures. Le deuxième jour, 7 heures. Après, vraiment, il a commencé à très, très bien dormir. Alors qu'avant, il dormait pas, il se réveillait entre 2 à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. C'était vraiment difficile. Mais depuis qu'il a bu l'huile de papa, avec la bénédiction de papa, il dort. Les cachets sont aux oubliettes. C'est fini, Il il a a été tout laissé. miraculeusement guéri. Oui. Elle est sortie maintenant de cette merde. Tu as maintenant la joie de Oui. vivre, Oui. tu as envie de vivre, Ah oui, c'est j'ai ça? envie de faire des choses. Alors lui qu'avant, je n'avais même pas envie. Des fois, elle te proposait des choses. C'est parce qu'elle m'obligeait à faire sinon tu faisais, je restais toujours couché, quoi. Je ne bougeais pas, quoi. Toute ta vie était Ouais, bloquée, c'est ça? ouais. Et tu n'avais pas envie d'avancer. Non, j'avais pas envie d'avancer, je ne faisais Ou rien. quoi, c'est fini, il faut dormir, Ouais, manger, il faut puis ouais, dormir, c'était c'est ça, ça? quoi. C'était que mon quotidien, c'était manger, dormir, regarder la télé, et puis me morfondre dans moi-même. Et puis, Il t'arrivait souvent à pleurer? de temps en temps aussi, oui. Oui, Et quand tu dis je. que tu Ouais, tombais de temps en temps, tu tombais? Tu t'es fracturé, je me suis cassé cassé? la clavicule. La clavicule. Oui. Témoignage très émouvant de Jean-Louis. Et en même temps, je retiens quelque chose dans ce témoignage. La rencontre avec Anna, la rencontre aussi avec Robert, Anna, cette famille, qui va changer beaucoup de choses dans sa vie. Il y a ce qu'on appelle des rencontres qui sont des rencontres de grandes bénédictions. Des grandes bénédictions. Et ça, c'est franchement très bien. Il y a des gens, quand vous rencontrez dans la vie, ils vous font avancer. Par contre, il y a des personnes, quand vous rencontrez, elles vous nuisent. Et nous prions Dieu pour que vous ayez fassent des grandes rencontres. C'est ce qu'on appelle Amen. les rencontres prophétiques. Il y a Amen. des personnes, quand vous rencontrez, Dieu les utilise pour booster votre vie, pour faire avancer votre vie. Parce qu'ils ont en eux ce qu'on appelle un Amen. esprit qui est saint. Vous savez, quand vous avez un esprit saint en vous, et ça vous donne cette possibilité, cette capacité d'aimer l'être humain créé à l'image de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. L'être humain, vous voyez, quel que soit ce qu'il est, il est créé à l'image de Dieu. Il a des qualités, il a aussi des défauts. OK? Et donc, nous devons d'abord voir Dieu, n'est-ce pas, l'être humain, et nous devons lui apporter notre assistance. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. On sera aussi confronté à des difficultés, et aussi on aura aussi besoin. Parce que c'est ce que tu fais, tu sèmes, que tu récoltes. Voilà, donc, ce que je retiens, c'est que Jean, lui, il était vraiment déprimé. Voilà, nous, on appelle ça une question de folie. Donc, il vivait des médicaments. C'est-à-dire, il vivait tout le temps des médicaments et c'était difficile pour lui de s'en sortir et tout ça. Il n'avait plus d'espoir. C'est fini. Il faut dormir. Il faut oublier. Oh, il vivait une réalité, mais on le faisait oublier par le sommeil et tout ça. Donc, il va rencontrer Anna et c'est à partir d'elle que les choses vont commencer. Il aura un déclic, n'est-ce pas? Une rencontre avec le prophète que je suis. Le prophète que je suis. Et puis bon, gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, il y a eu un miracle. Amen. Il y avait des esprits. Il avait tellement des esprits. Parce que la dépression, ce sont des démons. Comme il dit, les cachets ne peuvent pas, les médicaments ne peuvent pas. Parce que c'est un tranquillisant.
pour t'amener à dormir, à te réveiller. Mais les médicaments ne peuvent pas. C'est la puissance seule de Jésus-Christ qui peut nous délivrer de la dépression. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie de Jean-Louis. Dieu le délivre miraculeusement en chassant les démons. Il a même vomi des sangs. J'ai vu du sang dans ce qu'il vomissait. On a vu des démons sortis, au moins 37 démons qui sont partis. C'est vraiment un homme. Tu étais très possédé comme un chat. Miaou, tu étais possédé comme Yon. Tu étais très possédé. C'est là parce que tout le monde a 6 heures les démons. Ah, c'est l'air. Moi, j'ai été élevé à 6 heures. Vous avez couché à minuit, parce qu'il y a 6 heures. Ouais, qu'avant, ouais. Mais un homme très merveilleux, il est bien. Il est bon de cœur. C'est quelqu'un qui est vraiment très merveilleux. Comme je disais, c'est vraiment important de faire des grandes rencontres. Je prie que Dieu vous fasse faire des rencontres. Que vous puissiez rencontrer des personnes merveilleuses dans votre vie, dans vos vies, qui pourront vous aider à avancer. Et ça, c'est vraiment très important. Quand vous rencontrez des personnes, moi, ma prière, c'est toujours aider les gens et me battre au maximum pour apporter le soutien à ceux qui sont en difficulté. Voilà, c'est ça le bon samaritain, c'est d'aider les gens qui sont en difficulté. Et le témoignage de la rencontre avec Anna Robert, ça me marque. Ça dit, je retiens quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu le miracle, mais la rencontre, parce que la rencontre, elle est beaucoup très importante. Et c'est pour cela qu'il faut savoir, il faut prier pour faire des bonnes rencontres, parce que c'est vraiment important. Et ce qui est intéressant, quand je l'ai écouté tout ce temps, mon séjour à Mian, il ne parlait que de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très reconnaissant. Par contre, il y a des personnes que vous aidez, elles sont ingrates. Voilà. Il m'a fait quoi, petit? Non. Il est reconnaissant, il en parle, il parle de ça tout le temps, et qui prouve que Dieu est merveilleux, et c'est quelqu'un qui est très reconnaissant. Et ça, j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Merci pour ton grand cœur. Voilà, c'est vraiment très important de rencontrer des personnes. Voilà, c'est important de faire des grandes rencontres, tout ça. Je remercie le Seigneur aussi d'avoir fait une grande rencontre dans ma vie. J'ai rencontré une dame qui est mon épouse, qu'on appelle Maman Bessora. Maman Bessora veut dire bonne nouvelle, celle qui apaise, celle qui aide, celle qui fait avancer. Et depuis que j'ai rencontré cette dame, franchement, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et ça, c'est beaucoup très important. J'ai prié pour ceux qui veulent aussi rencontrer des personnes, que Dieu vous fasse rencontrer des femmes qui vont vous aider. Parce que la femme, quand elle vient dans ta vie, elle devient un bonheur. La femme, elle te prend tel que tu es. Une femme, elle ne vient pas par intérêt. Elle te prend tel que tu es. Elle change ta vie. Elle change ton quotidien. Oui, il y a des femmes, quand tu rentres dans la vie des gens, elles boostent la vie. C'est-à-dire, elles s'en foutent de ce que tu es. Elles s'en foutent de ce qu'on rencontre de toi. Elles s'en foutent de ce que toi, mais elles t'aiment. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé. Elle t'aime tel que tu es. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure, on découvre les gens. C'est au fur et à mesure qu'on découvre les gens, on voit un peu l'identité de cette personne. Et la femme idéale, c'est celle qui t'aime tel que tu es et qui est capable d'apporter sa pierre pour pouvoir te booster, te transformer. Et quel que soit ce que tu es, elle est prête à aller très loin avec toi. Et là, je dis hommage à ma femme. Amen. Maman Bessora, je lui ai donné ce nom, Maman Bessora, pour dire celle qui apaise, celle qui apaise, parce qu'il y a des rencontres, Isaac a rencontré, qu'on appelle Rebecca, il a cessé de pleurer. Il y a des personnes, quand vous rencontrez dans votre vie, ça vous arrête les pleurs. Parce que vous trouvez en cette personne beaucoup de choses. Voilà, donc franchement, je tenais aussi à dire un grand hommage à mon épouse, Maman Bessora, qui fait beaucoup pour moi. Elle réfléchit beaucoup à ma place. Elle m'apaise. Elle m'apporte beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Que Dieu vous fasse rencontrer des gens qui vont vous aider. Voilà, par rapport à des gens. Moi, mon combat, c'est toujours aider des gens. C'était ma prière. Ma prière, c'est d'aider les gens. Et ma prière, c'était d'avoir une femme comme mon épouse, Maman Bessora. Voilà. C'est une femme qui entend toujours, qui est toujours combattue. Je lui ai dit, bonne arrivée dans le royaume des persécutés. Quand on s'est rencontrés, j'ai dit, bonne arrivée dans le royaume des persécutés, parce que ce n'est pas chose aisée. Je sais que le diable est déchaîné, le chiable bat, remet sa petite queue pour déstabiliser. J'étais déjà averti. Et donc, c'est comme ça, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà, donc j'ai dit à mon épouse, bonne arrivée dans le royaume des persécutés. Elle est toujours là pour m'apaiser, elle est toujours là, elle est à mes côtés, elle croit en moi. Et ça, c'est très important d'avoir une femme qui croit en vous.
Voilà, qui croit en vous, qui espère en vous, qui voit en vous quelqu'un qui peut l'aider, peu importe les préjugés, peu importe ce qu'on rencontre, mais qui croit en vous et qui pense que, voilà, c'est ça. Parce que c'est l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour a beaucoup de qualités. Voilà, l'amour croit tout, l'amour en foi, la confiance. Et ça, je l'ai retrouvé à mon épouse. Et je vois ça en Anna. Tu vois, il y a des personnes, quand vous rencontrez dans votre vie, n'est-ce pas? Les personnes que vous rencontrez dans votre vie, et c'est, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, voilà, ça vous fait du bien. Je suis très content pour Jean, qu'on appelle Jean-Louis. Voilà, il a rencontré, il a fait une bonne rencontre. Il y a des gens, s'il a fait une mauvaise rencontre, il y a longtemps, il pleurait. Non, mais depuis que je suis avec, que j'ai rencontré Anne, je ne pleure plus. Mais je sais ce que je suis en train de dire. Sinon, il y a des gens, ils vont te donner Goumet. Tu vas avoir Goumet de ça, là. Goumet jusqu'à fatigué. Voilà, donc j'ai dit merci. Il a rencontré, il a fait de bonnes rencontres. Il y a des gens qui vous font pleurer. Par contre, il y a des gens quand vous rencontrez, oh là là, c'est le ou du soulagement parce que c'est le chemin. C'est ce qu'on appelle les rencontres prophétiques. Comme je disais, je dis grand hommage à mon épouse, maman Bessora. Et au travers de cette vidéo, grand hommage à cette grande femme au grand cœur qui ne cesse chaque fois, qui est ma conseillère, ma confidente, qui m'aide à avancer. Vous savez, quand vous rencontrez une femme que vous aimez, elle vous fait avancer. Quand vous rencontrez des gens que vous aimez, j'ai dit, il y a différence entre l'estime et l'amour. Voilà, il y a des gens qui estiment. Or, l'estime, c'est par intérêt. Parce qu'ils voient quelque chose, c'est par intérêt. Or, quand quelqu'un vous aime, elle est prête à tout pour vous aider. Elle s'en fout de ce qu'on rencontre sur vous. Elle sera toujours prête à se battre pour vous faire avancer. Et c'est ça qui est le plus important de rencontrer. Nul n'est parfait sur cette terre. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous faire booster. On a toujours besoin de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus, il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais pécheurs. Jésus n'a jamais dit, je suis venu pour les justes. Et c'est ça, c'est ce que j'ai dit aux gens. Et mon combat face à ça, parce qu'aujourd'hui, les enfants qui ont été laissés à Divo, sous prétexte qu'ils sont sorciers, tout ça, j'ai dit, mais attends, c'est vrai, eux, c'est la sorcellerie, mais on peut leur enlever la sorcellerie, ce qu'on essaie de faire. Et puis on essaie de leur apporter notre soutien. Jésus n'est jamais venu pour ceux qui sont justes, mais pour les pécheurs. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'ils devront comprendre que si nous avons l'occasion d'aider quelqu'un, le faire sortir dans les difficultés, il faut donner le faire. Parce que quand quelqu'un a un esprit sans lui, la personne apporte l'aide. Quand quelqu'un a cet esprit, c'est d'apporter, assister, c'est d'aider. Voilà, c'est ça. C'est ça mon combat aujourd'hui. C'est pour ça que le 6 octobre, je vous invite, afin de pouvoir aider les enfants, nos enfants doivent reprendre le chemin de l'école. Et ça, c'est beaucoup très important. Et j'encourage les parents africains vraiment à miser là-dessus. N'est-ce pas l'école, le chemin de l'école? Il faut que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Voilà, le chemin de l'école. Ça, c'est vraiment très important que nos enfants reprennent le chemin de l'école. C'est mon combat. Voilà, c'est mon combat. Voilà, barré. J'ai toujours dit, il nous reste combien de temps de vie sur la terre? Pas assez. Quelqu'un ne va jamais vivre 100, 150 ans. Maintenant, c'est plus possible. Parce qu'on mange tous les plats là, on mange tous les tic-tic-tic, on mange tous les touches. On va vivre combien de temps? Mais le petit temps qui nous reste sur cette terre, nous devons aider au maximum de personnes. Parce que nos œuvres nous accompagneront. Et la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres. Où sont les œuvres? On ne peut pas te trouver toujours en train de détruire. Voilà, la haine. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Jean 3, le verset 15, celui qui a la haine pour son prochain est un meurtrier. Voilà, celui qui a de la haine pour son prochain est un meurtrier. Quand quelqu'un dit, je te hais, je ne peux pas te pardonner, mais ça veut dire que la personne n'a jamais connu Dieu. Parce qu'on dit, celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Donc, à un moment donné, moi, je suis quelqu'un, toujours, je fais la grâce de pardonner. Je prends toujours le temps de transcender, mais quel que soit le choc que je reçois de la part des gens ingrats. Mais c'est ça. Jésus-Christ, à un moment donné, à la croix, il va dire, pardonnez quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, il dit, pardonnez quand ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai fini par comprendre qu'il faut, primer l'amour, il faut mettre l'amour devant, il faut apporter son assis, aider. Et tu vas voir, la plupart des gens qui m'ont côtoyé, ils vont retenir cette chose de moi. Il m'a aidé. Moment. Et c'est ça. Je veux que les gens retiennent ça. Je ne suis pas l'homme le plus parfait. C'est vrai qu'il y a des erreurs. J'ai ma nature à moi. Je ne suis pas parfait. Mais
si je dois aider, je m'oublie par moment à apporter mon aide, c'est-à-dire l'argent. Si tu dois aller à l'école, je t'aide à aller à l'école. Si tu dois, n'est-ce pas, j'ai un besoin quelconque, je m'oublie et puis je t'apporte. Parce que c'est ça. C'est ça qui est plus important, la charité. Et ça, la charité. Il faut aider les gens. Et c'est ça le bon samaritain. Il faut apporter de l'aide. Et donc, en conclusion, mon séjour était très enrichissant. Je retiens une seule chose. Jean-Louis a rencontré Anna et Robert et ça a changé sa vie. Voilà. Que Dieu vous fasse rencontrer des gens qui vont changer positivement votre vie. Si aujourd'hui vous n'avez pas fait cette rencontre, c'est l'homme qui fait l'homme dans la vie. C'est pour cela qu'il ne faut jamais dénigrer une personne. Celui que tu dénigres aujourd'hui, là, celui que tu vilipendes aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas le rencontrer demain. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ce que les gens ne savent pas. Celui que tu vilipendes aujourd'hui, c'est juste que celui que tu attaques aujourd'hui, tu ne sais pas où le rencontrer demain. Voilà. Parce que tu auras un jour besoin de lui. Tu auras toujours besoin de lui. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Il ne faut jamais dire non. Moi, je n'ai jamais dans cette ma pensée. Et d'ailleurs, je combats toujours ça. Vouloir nuire quelqu'un, vouloir détruire quelqu'un, non, c'est quelque chose qui ne va jamais m'animer d'ailleurs. Parce que moi, ma prière, même si je découvre un défaut dans la vie de quelqu'un, c'est de toujours prier pour cette personne, pour que Dieu puisse le faire avancer. Parce que le Saint-Esprit nous aide à faire avancer. J'ai toujours dit à Jésus, à quelqu'un, quand Jésus, ils sont venus couper, arrêter Jésus, Pierre a voulu défendre Jésus en coupant l'oreille du monsieur. Et Jésus a pris l'oreille, il a collé ça. Il dit, laisse faire. On a vu quand à la croix, Jésus, n'est-ce pas, c'est beau, Jésus a pardonné, il dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, et l'amour, c'est quelque chose. Quand tu es l'amour, n'est-ce pas, même si on te choque, même si tu as des choses, à un moment donné, bah, tu oublies. Parce que tu primes l'amour et c'est le sens du pardon. Quand quelqu'un n'a jamais pardonné et quand quelqu'un n'arrive pas à pardonner, il ne veut pas pardonner, quel que soit leur tort. Il dit pardonne leur faute. Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà, Dieu, nous le faisons Dieu chaque jour. Nous offensons Dieu tous les jours de notre vie. Nous le faisons chaque jour. Mais encore, il nous pardonne. Il espère en nous. Lui-même qui sait que nous sommes mauvais. Jésus, Dieu n'est jamais venu pour les gens qui sont justes. Pour vous dire, quel que soit le problème des gens, quel que soit ce qu'ils sont, aidez-les. Aidez-les que de la nuit. Aidez-les que de la nuit. Vous gagnerez mieux d'aider quelqu'un que de la nuit. Et ça, c'est beaucoup très important. Mais quand vous voulez nuire à quelqu'un, vous avez la peau de Lucifer, vous mettez dans la peau de Belzébul, vous mettez dans la peau satanique. Et ça, c'est une œuvre de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est l'art de la nuisance. C'est l'art de la nuisance. Voilà, donc c'est plus important. Voilà, c'est d'aider les gens au maximum possible, d'aider les gens. Moi, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Jean-Louis et ce qu'il fait dans la vie de ce couple. Et nous allons nous laisser. Voilà, donc je dis aussi merci à mon épouse, Maman Bessora, la femme au grand cœur. Une femme qui m'aime. Oui, je tenais à dire, faites attention parce que depuis 23h cette nuit-là, ils ont pris mon profit. Faites attention, n'acceptez pas une demande d'amis. Voilà, n'acceptez pas une demande d'amis sur un compte qu'on appelle Prophète Joël Crasso Ministère. Et ça, c'est toujours comme ça. On est habitué à leur scénario. Voilà, parce que c'est la stratégie du diable, vouloir nuire à mon image, nuire à mon ministère. Moi, je suis là, j'observe. Mais n'acceptez pas les demandes d'amis sur ce compte-là. Voilà. N'acceptez pas et signalez ça à Facebook. Signalez ça à Facebook. Nous sommes en train de préparer une grande cérémonie de récolte de fonds, collecte de fonds pour aider les gens. Mais vous venez anarquer les gens. Pourquoi vous, c'est nuit-là qui vous intéresse. C'est cette partie nuisance-là. Mais vous allez répondre un jour de vos actes. Voilà. Parce que tout se paye. Tout se paye. Nous battrons pour entendre aider les gens. Moi, j'ai construit l'orphelinat. J'ai construit l'orphelinat à fonds propres. Voilà, j'ai construit l'orphelinat, j'ai vendu à un moment donné de ma vie, n'est-ce pas, de ma voiture pour aider les orphelins. Mais vous, toutes vos pensées, c'est de nuire à la vie des gens. Tout c'est de nuire, vouloir nuire à la vie des gens. Voilà, voici, ça c'était en chantier. Ça c'est l'orphelinat en chantier. Voyez ça? Voilà, j'étais en plein chantier sur l'orphelinat. Voici ça, en chantier. Vous voyez ça? Voici le chantier. J'étais en chantier. Voilà. J'ai de l'argent, j'ai mis dedans.
Pina. Ah, d'accord. C'est de l'argent, j'ai mis dedans. C'était le chantier à Finina, il y a maintenant 2 ans de cela. J'étais en plein chantier, ça, ça l'Orphelinat. Maintenant, c'est fini, Dieu merci. Pour aider les gens, on a mis de l'argent. J'ai dû investir, mettre de l'argent, des millions de francs pour aider les enfants. C'était en plein chantier. J'ai mis de l'argent dedans, hein, des millions de francs pour aider les enfants. Voilà, voilà, voici ça. Pour apporter de l'aide, l'assistance aux enfants en difficulté. Voilà. Donc, voici ce qu'on essaie de faire. Et aujourd'hui, Dieu merci, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est en pleine fonction aujourd'hui. Voilà, donc, gloire à Dieu, si vous pouvez aider maximum de gens, n'acceptez pas une autre demande d'amis. C'est comme ça, ça a été toujours comme ça. Je suis toujours combattu. Mais c'est comme ça la vie. On dit, vous ferons la guerre, mais nous vous vaincrons pas. Voilà, moi, je ne cède pas la provocation. Justement, je vous avertis, voilà, eux, ils veulent atteindre un objectif. Parce que je sais la stratégie que le diable a maintenant. Quand un ministère est puissant, quand un ministère dérange le royaume de Satan, il y a des stratégies pour venir détruire son image, il y a des stratégies pour venir détruire tout. Mais voilà, ne donnez pas de l'argent à n'importe qui. Voilà, parce que moi, je ne fais pas ça sur Facebook, je ne demande pas l'argent. Ceux qui veulent bien nous aider, on a des comptes, on a de RIB. C'est-à-dire, quand vous faites, il y a des traces. Quelqu'un ne peut pas vous venir PayPal, s'il y a un compte, PayPal. Évitez ça, de tomber dans les pieds des gens. Voilà, et ils sont là, ils ont un esprit de nuisance, c'est-à-dire le diable se nuit, comment venir détruire, comment venir nuire aux bonnes choses. Mais sur cette terre, tout se paye, voilà, tout se paye. Voilà, ce que tu as fait à l'autre, tu payeras ça un jour, voilà, tu payeras ça un jour. Donc, shalom à vous, que le Seigneur vous fortifie. Tout à l'heure, je vais m'accompagner à Paris, voilà. 2 heures de route tout de suite. Et tout à l'heure le soir, on aura l'occasion de prier pour certaines personnes. Et le monsieur sera à Paris pour danser le bébé le dimanche. C'est le meilleur danseur de bébé. Le voilà. Je le découvre, mais il dit, mais il est terrible. Hein? Et pas encore, il sait chanter. Amos Aleo, Amos Aleo, Amos. Amo saleo, amo, amo saleo, amo, amo, biawe, biawe. Amo saleo, amo, amo saleo, amo, amo saleo, amo, amo saleo, amo, amo, biawe, biawe. Veille au grain, belle Sako, veille au grain. Donnez, voilà, on est ensemble, on vous attend le 6 octobre à Vitry-sur-Seine. Soyez bénis, on est ensemble. Dieu est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Il est notre soutien, notre appui. Il dit à Moïse, gardez le silence, car l'Éternel combattra pour vous. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moi, j'ai pris la peine de me confier à l'Éternel, de croire en lui. Et de croire en ce que je suis en train de faire. Heureusement, il met des personnes merveilleuses près de moi, des connaissances, tout ça, des enfants spirituels. Et une grande dame, et ma femme, Mama Bessoura, qui croit en moi et qui m'aide. Et ça, ça fait... C'est pour cela que depuis là, vous ne me voyez pas à Divo. Hein. J'ai vu ma vie, hein. J'ai vu ma vie de couple. Mais, qui n'aime pas le bonheur? J'ai vu ma vie de couple. Mais Divo m'attend. J'ai un devoir conjugal. Prendre soin de mon foyer, mon couple, ça c'est important. Prendre soin de mon couple. Il y a des bénédictions, il ne faut pas jouer ça. Quand vous découvrez une personne merveilleuse, il faut la protéger. Et donc j'ai dit à ma femme, j'ai le devoir, l'obligation de te rendre heureuse. Et ça, je lui dis ça. Le devoir, l'obligation de te rendre heureuse. Parce que je découvre que tu es bien. Vous savez, quand vous découvrez, parce que souvent... On est là, on pense que... Mais quand vous découvrez que la dame, elle n'est pas là pour un problème d'intérêt, elle est là pour te faire avancer, tu dis, bon, je vais te protéger, je vais te rendre heureuse. Voilà, c'est comme ça, je vais te rendre heureuse. Je me battrai pour ça. Voilà. Et c'est intéressant, c'est important de rencontrer des gens. Par moment, vous rencontrez des personnes, mais il y a une personne qui va vous marquer.
Et ça, c'est vraiment important. J'ai dit, quand vous rencontrez des gens, il y a des gens, je t'aime, mais je t'aime là, sans quelle langue? Sans quelle langue? Parce qu'après, ça devient parler en langue, tu ne comprends plus rien. C'est les lances aux roquettes, elle te roquette seulement. Elle dit, ah, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Ah, tu pensais que quoi? Quand une femme t'aime, elle t'aime, quels que soient tes défauts, quel que soit ce que tu es. Et celle qui te fait sortir du bordel, excusez-moi pour l'expression, de cette merde-là, parce qu'elle t'aime. Ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle avait dit qu'elle était là pour manger. Pour un intérêt. Le feu chez vous, là-bas. Voilà. Et c'est important de rendre hommage à une personne. Parce qu'une personne qui te soutient, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, qui prend le temps de te soutenir, ça, c'est vraiment très important. Amen. Amen. Moi, je m'attends à tout. Hein. Je suis quelqu'un, je suis prêt à tout. Le combat, il est déclenché, on y va. Mais encore, je rencontre une femme merveilleuse qui me dit, attends, je suis là pour t'aider. Moi, je m'attends. Ma femme me dit, je m'attends à tout. Mais en même temps, je suis là pour te protéger. Et quand tu attends ça d'une femme, tu te dis maintenant, elle le mérite. Elle dit, c'est vrai, j'entends beaucoup de choses, mais je t'aime, je sais qui tu es, et ça c'est important, je suis prêt à te protéger. Donc j'aime mon épouse, et je lui ai dit, je te dois la loyauté, la fidélité, et te protéger. Amen. Voilà, ensemble, aimez nos femmes, protégeons-les. Aujourd'hui, il a compris beaucoup de choses, on est ensemble. Bonne journée à vous, soyez bénis. Même ceux qui m'attaquent, je vous aime. Mes ennemis, vous m'aidez souvent à avancer, hein. Parce que quand vous n'avez pas d'ennemis, non, ils t'aident beaucoup à les ennemis, là. Ouais. Quand les gens t'attaquent, ça te... Ils disent, c'est bon, t'as... Ça va te réveiller. Mais ça va te réveiller, tu dis, j'ai dormi. Ah, excuse-moi, mon tonton. Quand les gens t'attaquent, tu dis, Seigneur, c'est là que tu vois le génie. Tu prends la Bible, c'est là que tu dis, tu... Non, souvent quand on t'attaque pas, ça te dit rien. Mais quand on te requête. Non, l'ennemi là, utile. Hein. Quand vous voulez pas, vous êtes utile. Vous qui attaquez là. Vous êtes trop utile. Ça aide beaucoup. Ouais, ça nous aide à s'améliorer. Oui, mais oui, ça aide à s'améliorer. Plus vous attaquez, ça nous aide à nous améliorer. Ça nous aide à ça nous ouvre l'esprit. Ça nous aide tout ça. Mais on ne peut pas changer. Quelqu'un qui est bon, tu ne peux pas dire qu'il est mauvais. Ouais. Et ça, il ne faut pas... Non. C'est vous-même qui parlez mal des gens là. C'est vous qui êtes mauvais. Voilà. Donc, on est ensemble. C'est comme ça. Soyez bénis. J'aime mes ennemis. Je vous aime. Voilà. Je prie pour vous. Et bonne journée à tout le monde d'ailleurs. Tous ceux qui sont ennemis. Et ceux qui sont des amis, qui m'aiment aussi. Ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Soyez bénis. Amen. Le cœur que j'ai, je ne peux pas avoir de la haine pour quelqu'un dans ce cœur. Amen. Non, ce cœur est fait pour aider les gens. Voilà. Amen. Je n'ai pas de baiser de Judas. Judas n'existe pas en moi. Ce qui est en moi, c'est de faire du bien aux gens. Amen. Et c'est mon combat. On est ensemble. Shalom, bonne journée. Amen.